Donc, Seventeen a fait un comeback niveau japonais. Donc, Call Call Call. Donc, c'est le MV japonais de Seventeen. On va regarder ça tout de suite. Oh. Ok. Un son que je vais aimer. Je sens que ça devient un petit peu rock. Je peux pas pourquoi. Wow! C'est quoi ça? Je n'entendais pas du tout à ça. Chouchou! Il est magnifique. Wouzi! J'adore le fait qu'ils ont... Oh my god! J'adore qu'ils ont tous des photos. Wow! J'adore! Non mais la moto de Escoop avec le nombre de rétroviseurs qui a dessus. Ting ting, est-ce que ça veut dire moshi moshi? Est-ce que ting ting ça veut dire c'est drink drink comme ça? Ou est-ce que c'est cool? Bien. Bien. Non, on vous le dit, je peux pas, il est magnifique. Il est grave sexy. J'adore la chorégraphie. Wouzi, non. Son fan. Ne t'arrête pas, Wouzi. J'adore la chorégraphie. Et j'adore leurs vêtements. Ok. The Eight. J'adore les cheveux de The Eight. Il est super japonais. Ah, tu peux avoir le téléphone, hein. Gate Venom. Je ne veux pas avec la moto de Esco. Eux ils font comme ça. Au lieu de faire comme ça. Why not? Ok, waouh. Juste waouh. C'était super. J'ai adoré la chorégraphie, la chanson, le visuel. Ils ont. C'est quoi déjà cette émission-là? Ce film, du coup. Enfin, les motards contre les surfeurs ou les motards avec les pom-pom girls, enfin, les années 80 et tout. 90 plutôt. Ça m'a fait penser à ça. J'ai plus le nom en tête là, mais ça m'a fait penser à ça. Mais franchement, Woozy et Joshua, leur coiffure, make-up, outfit, tout. Waouh! Et The 8, vraiment cette coupe de cheveux là, avec, bon, légère coupe mulet, mais les cheveux avec la longue frange devant, très piquant, ça fait super japonais. Et j'adore. J'ai adoré aussi la partie de Venom, le Moshi Moshi. Ça me rappelle quand je regarde des animes. Moshi Moshi. Bon, je divague. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce MV ou pas. Et. N'oubliez pas de liker la vidéo, subscribe à ma chaîne et dites en commentaire des recommandations. Enfin, pas forcément des MV, ça peut être n'importe quoi. Mais toujours en relation avec la Corée du Sud. Voilà. Merci, au revoir.